Vous avez peut-être demandé comment démarrer une Toyota Prius, véhicule hybride, lorsqu'elle est en panne de batterie. La batterie 12 volts de la Toyota Prius, qui allume l'ordinateur de bord et qui permet d'actionner le moteur, se trouve sous le coffre, un petit compartiment sur la droite, qui n'est pas très accessible. Toyota a donc prévu d'installer sous le capot, dans la boîte à fusibles, une petite borne plus. Voilà, la boîte à fusible est à droite sous le capot et l'accès à la borne plus permet d'y loger difficilement parce que c'est pas très accessible, une pince. On va relier évidemment la borne plus de notre véhicule à la borne plus de la batterie de l'autre véhicule. On va mettre la borne moins sur une masse du véhicule, c'est-à-dire sur une vis reliée à la carrosserie par exemple, comme ici. Et on branche donc tout ça. Le plus sur le plus, le moins sur le moins de la batterie de l'autre véhicule. Voilà. Une fois branché, on va s'assurer que les contacts sont bien mis à l'intérieur de la voiture, ce qui n'est pas évident, puisque les câbles, les bornes sont assez petites par rapport à la taille des pinces. Et si c'est bien mis, ben on insère la clé dans le véhicule naturellement. On presse sur le frein et on appuie sur le bouton Power. Voilà. Le contact s'est fait. Alors ce que je fais moi souvent pour permettre de recharger, ben je sais pas si ça va marcher là. Je lance la clim ou le dégivrage par exemple, ce qui va obliger le moteur. Logiquement, devrait obliger le moteur à se mettre en route pour recharger. Eh ben c'est pas le cas. Voilà, donc on a rechargé la batterie 12 volts du véhicule. Reste maintenant à rouler un petit peu pour que le moteur thermique recharge également de lui-même la batterie. Voilà. Vous pouvez suivre ma chaîne YouTube et également mon groupe Facebook consacré à la Nissan Leaf, notamment sur facebook.com/groups/leaf.france.café ou sinon Sébastien Gall, chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.